Bonjour ou bonsoir en fonction de l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo, cette VOD. Hein, on est sur Twitch comme toujours, n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc dans l'épisode précédent, j'avais découvert ces choses-là. Ces petites choses, les attaques dévastatrices, tout ça. Là, ce qu'on va faire... Attendez, il faut que je l'enlève. La cam, voilà. Tempête. Il y a Tempête, il y a Lame de Châtiment. Mon préféré, ça reste quand même Tempête. Hein, génial, Tempête. Donc, je vais prendre Tempête. Voilà. Ça, c'est bien. Tu m'étonnes qu'il fait chaud. Même moi, là où on est en hiver, il fait chaud. Alors, ici aussi, je crois que j'avais essayé de... Je voulais débloquer des trucs en bêta. Si je débloque pas ça, comment... Ça, j'utilise à chaque fois, mais il est pas amélioré. Voilà. Très bien. Je remets ma gueule. Et là, on va avancer. Non, mais je suis à l'île de la Réunion, c'est pour ça. J'ai l'hiver, moi, ici, vraiment. Premier degré, c'est l'hiver. On est en hiver, mais... ça va. 20 degrés, quoi. Oh, merde, je me suis gouré. Oh, la lumière est en haut. C'est pas grave. Vous voyez pas trop ma tête, c'est pas grave. On avait avancé, donc on avait tourné ce train, on avait ouvert cette porte, et on était arrivé ici, et là, voilà, il y a un petit chemin ici. On va voir si je suis toujours aussi bon. Ah, bah ouais, en fait, il y a un truc que je dois faire aussi, excusez-moi. Alors, il y a en épinglé en haut, vous pouvez télécharger Opera GX, qui est un navigateur, qui est un très très bon navigateur. Perso, je l'utilise. Je dis pas ça parce que c'est un lien sponsor, en plus c'est un sponsor par l'ami Seros. Mais en tout cas, c'est un très très bon. Quand ils vont débarquer, je vais les entendre. Donc c'est un très très bon navigateur, donc surtout si vous êtes gamer, parce que ça te dit tous les jeux qui sont gratuits du moment, tous les jeux qui sont en promo, les nouveautés et tout ça, donc c'est sympa. Le jeu il est quand même beau. Quand tu as bien réglé l'écran, il est quand même beau le jeu. Un cadavre. Ici le secteur 9, ces enfoirés passent par les égouts. Impossible de continuer. Non. J'ai appuyé sur un truc qu'il fallait pas. J'ai senti mon pied appuyer sur un truc qu'il fallait pas. Hey Zelus. Hello. Et comment on fait ça? Attends. Je sais pas comment on fait une dédicace. Oui. Ah bah non, ça marche pas. Bon, ça marche pas. Attends. Ah si, j'ai débranché. J'ai débranché un truc. Attendez. Oh purée, mon pied, il est passé dessus, en fait. Mon pied est passé dessus. Ça m'arrive tout le temps, ces trucs-là, là. J'arrive, hein. C'est super fragile. J'ai plus rien.
Voilà. Faut juste que je fasse gaffe à pas mettre mon pied dessus. Hé, hey, Vénus, t'as vu, j'ai changé... Attends. J'ai changé de caméra. On voit bien ma... Oh, l'écran, là. Attendez, je sais pas comment régler l'écran, en fait. Je veux quitter. Je veux juste quitter. Non, je veux pas changer de couleur. Voilà. Allez. Ah, t'as vu ça? On voit bien la déco maintenant. Faut que je mette des lumières derrière, des LED et tout. Faut que je mette des petites figurines. Des trucs pour pouvoir, voilà, faire truc de streamer, quoi. Impossible de continuer la mission et de faire sauter l'entrée. Les éclaireurs ne sont pas encore revenus. On a encore le temps. Il nous faut juste un peu plus de temps. Quand vous êtes prêts, vous me dites, hein. Moi, je suis... Je suis là. Nous sommes là. Une waiting. Je peux pas pousser mes pieds, parce que si je mets mes pieds, je vais taper dans le truc encore. Vous allez voir, à un moment, je vais m'exciter. Je vais m'exciter, je vais taper dedans, et j'aurai plus d'image, et je vais mourir. Comme il se doit. Cet endroit... Wow. Ok, Angel. Cet endroit a l'air complexe. On va devoir utiliser ce monte-charge pour monter. Goovy. Ok. Attends, je retiens, je le note. Se prendre à gauche ou prendre l'échelle. Merci. Est-ce qu'on devrait d'abord examiner ce chemin? Tu es beaucoup trop mystérieux, Adam. Beaucoup trop mystérieux. Mais c'est, je sais pas, le problème maintenant, c'est est-ce que ça se trouve à La Réunion? C'est mon gros souci. Après, de toute façon... Oh, là-bas, méchant. Je serai en métropole... en fin d'année... Hey, c'est fort. Je serai en métropole en fin d'année, donc je pourrais peut-être en prendre là-bas. Voilà. Ah non, il va se mettre sur le cadavre. Ça va, le son? Pas trop fort? Ah, il s'est mis sur le cadavre, trop tard. Bon, il est mort. Voilà. Bon, c'est quoi de sa tenue à Eve, là? Hein? J'ai pas le mot de passe de celui-là. Non, pas encore. Mais t'inquiète, j'ai la fibre 8 gigas. En même temps, je dis ça, j'ai essayé de l'installer tout à l'heure, ça va pas fonctionner, donc... Je suis sûr, ça va pas fonctionner. Bon, enfin, elle est où, là? J'aime pas les énigmes, j'aime pas les puzzles, j'aime pas les trucs comme ça. Dit-il alors qu'on va jouer un jeu de puzzle tout à l'heure. Ok. Oh, bien. Ils m'ont vu ou pas? Ils vont me voir. C'est sûr qu'ils vont me voir. Ah! Mais... Ok. Mais je vais mourir. Je suis en train de me laisser mourir, c'est terrible. Voilà. Vous y avez joué, du coup à ça. Une fois la cellule affichée. On dirait une tenue de bonne sœur, change là. Quoi? Quoi, une tenue de bonne sœur? Hey, t'as déjà vu une bonne sœur avec Hein? T'as une tenue bonne sœur, toi? Qu'est-ce qu'il a dit, le monsieur, là? J'ai pas compris. J'ai pas écouté. J'étais choqué par le fait que tu dis c'est une tenue de bonne sœur. T'as pas vu souvent les bonnes sœurs, toi, hein? Ok.
Jamais joué alors. Bah, il est bien. Oh, bien ça. Ekakdus. Ekakdus. Sortira peut-être sur PC à un moment. Hein. Je veux vivre. Ou alors, comme disait le chanteur, je veux vivre. Je veux pas mourir comme ça. Jesse, Paul, Norman, Harry, Daisy. Ok. Et le truc, c'est que moi, tu vois, je regarde tout ça, c'est un lore. C'est, il y a tout qui se construit. Et moi, je suis là, d'accord. Je retiens pas. J'arrive pas à faire justement comme Vénus qui retient tout. Moi, je retiens que dalle. Je sais même pas si je suis passé à des endroits, à certains endroits. Là, le code, je l'ai pas retenu, hein. Ah! Ok, d'accord. Oh, il me... oh, le lanceur de caca, il est revenu. Ah! Je panique. Je sais plus quoi faire. Mais c'est parce qu'il me lance des caca! Mais non! Mais je vais mourir! Mais je vais mourir de façon super cool! Mais pourquoi il... Attendez! En fait, le truc c'est que il le vise lui là. Ah, j'aime pas le système de visée. J'essaie de changer, ça change pas. Waouh! Bon, désolé, hein. Waouh! C'était. C'est Dark Soul Girl, effectivement. J'attends le portage PC. Oui, je connais ton point de vue, hein, Bloomzambé. Pourquoi tu attends? Surtout pourquoi tu attends le portage PC? Le modding. Mascotte quotidienne pour les nanos combinaison, d'accord. Allez, on va voir ça. C'est que sur console, je pourrais pas. Ok, oui, t'as pas la console. Après, oh, j'ai un problème de son là. Je sais pas effectivement si. En fait, c'est devenu la mode de sortir des jeux. Des jeux qui sont sortis sur console exclusif sortir sur PC. Trouvé. On peut descendre. Vu que c'est un jeu Sony même. Enfin, c'est pas Sony à proprement parler. Mais une exclu Sony. Oh putain, mais oui, bah oui. Je saute comme ça, moi. Genre, je suis immortel. Oui, le fameux modding. Ouais. Non, mais à chaque fois qu'on en parle des vêtements. Moi, je trouve que déjà, les vêtements, là, hein, excusez-moi. Je sais même plus où c'est. C'est dans Arsenal, oui, bien sûr. Je trouve que déjà, les vêtements, ça va, non? Ah, je voudrais que je peux changer de coupe de cheveux. C'est con, en fait, parce que avant, on devait aller chez le coiffeur. Maintenant, tu peux changer où tu veux. Ah, je vais peut-être mettre cette coupe-là plus tard. Vivement un Tomb Raider développé par les Coréens. Non, ça va, là, les Tomb Raider, ils sont déjà bien comme ça. Qu'est-ce que tu dis? Hein? J'ai perdu la connexion Wi-Fi, apparemment. C'est quoi ça? J'arrive pas à activer tout ce truc-là. Bon. J'avoue que tu fais jeu d'action, tu dis, bah, je sais pas, elle peut pas être un petit peu musclée ou je sais pas.
Elle est vraiment en mode... Oh! Elle est vraiment en mode mannequin, quoi. Donc là, c'est quoi ça? Là, ça marche? Non, ça marche pas. Ok, ça marche pas. Alors... On va voir les différents chemins qui existent. Avant qu'il fasse son Half-Life, là. Voilà. Ouais, à Skip, j'ai plus internet et pourtant, je suis toujours en train de streamer. Trouvez le panneau de contrôle du barrage. Ah, le panneau. C'est ça qu'on cherchait. Oui, je savais. Exactement ça qu'on cherchait. Moi, depuis quand même le début du jeu, on essaie de trouver les Natiba Alpha. Quoi? Non! Non! Non, je suis nul, moi, pour ça! Putain. Bah voilà! Bah voilà! Je peux que pivoter vers la droite? Attendez! Une mannequin avec une épée de 20 kg à une main. Ouais, mais t'as vu l'épée où elle est? L'épée est dans ses cheveux. J'ai galéré à dire cette phrase. Ok. Ok, ok, ok. Sois un peu... Réfléchis. Non. Oui. Allez! Allez! Il est bon, Stéphane. Hein. Oh, il est bon. Tu entends ça? On dirait de l'eau. C'est ce chemin. T'entends un gros... T'as ouvert un barrage. Et on dirait de l'eau. Hein? On dirait de l'eau, non? Ah! Frérot, les espaces, ta barre espace était pétée ou quoi? Au petit drone, tout le monde attend le salut de la matriarche, mais la vie de mes alliés est tout ce qui m'importe. Ils arrivent, j'ai du mal à lire. Les Natiba arrivent. Les monstres arrivent. Ils sont de partout. Ils en sortent de partout. Il n'y a qu'un seul moyen de survivre. Oh, putain, ce drone doit remplir sa fonction. Nous devons pirater l'écluse pour évacuer l'eau. Je ne sais pas. Si ce petit drone y parviendra. Mais ce pauvre petit drone va se noyer dans l'eau. Mais nous devons survivre si nous voulons revoir le salut de la matriarche. Aide-toi et la matriarche t'aidera. Mais n'importe quoi. Ça s'appelle mettre du lore à la dernière minute. Quoi, le fait de mettre des phrases comme ça, tu veux dire, ou... à dire, ah, il y a le lore. Ok, revenir sur deux pas. Au final. Il y a un méchant là-bas. Avant la guerre, tout était différent. On payait pour ses crimes lorsqu'on se faisait attraper. Mais dans le monde souterrain, lorsqu'on se fait attraper, on meurt, même si on est innocent. Ces monstres ne font pas d'exception. Ne vous faites pas attraper. Ok. Merci Norman! Comment j'augmente ça? Ah, faut que j'ai 4 BU. Faut que j'ai 4 BU, le petit truc rouge en bas à gauche là. Mais je sais pas comment récupérer du BU. Ok. Ça améliore les compétences spontanées. Je sais pas ce que ça veut dire, je lirai un moment donné. Est-ce que je peux monter là-dessus? Non. Y'a rien d'autre ici, c'est ça? Je casse tout! Non, y'a rien d'autre. C'est tout. D'accord.
Tu es venu ici pour ça. Ok. On va continuer. Ah, pour t'expliquer ce que ça se passe, ce qui s'est passé. Moi, je remarque la tenue 10 ans après tout le monde. Mais oui, regarde-moi cette tenue, là. Regarde-moi ça. Regarde le tissu, là. Regarde le tissu. Regarde la petite... Là. La petite rosette sur le côté. Le détail de la petite rosette sur le côté. T'as vu ça? C'est beau, hein. En fait, tout le reste du jeu, il est pas... Les décors sont pas ouf. Mais le personnage... Bon, c'est inondé. Viens me dire. Tu allais où l'éclairage de sécurité clignote? Oh, il faut encore nager. J'ai un dans l'eau, madame. Ça clignote où, là? Oh, bah y a quelque chose, là. Ah bah du coup, oui, je peux passer par ici, parce que, en fait, c'était inondé avant. Bon, c'était pas inondé. Comment je passe ça? Comment je passe ça? Faut que je passe ça là. Sous l'eau. Trompé de bouton. Eh, hey, je suis intelligent, hein. Ah oui. Très intelligent. Vas-y, attrape ça, s'il te plaît, là. Oh, ouais. T'as vu, c'est beau, hein. Attention, les tentacules. Ouais. Ils savent ce qui est important pour les joueurs. Oui, ça, toute la communication a été faite autour d'Eve, hein. Donc, moi, dès que j'ai vu les premières bandes-annonces, on a vu le personnage. Et ouais, projet... ouais, c'était projet Stellar. Un truc comme ça. Bah, je me suis dit, je sais pas ce que c'est comme jeu. Ça a l'air d'être un beat'em all. En mode de Devil May Cry. M'en fous, dès que ça sort, je prendrai. C'est ce que j'ai fait. Oh. Alors. Je vais repasser en pistolet normal. Ouais, y'a un camp. Qu'on tourne en rond. Mais non, on tourne pas en rond. T'inquiète pas. On avance. Garde en tête le chemin qu'on a pris. Et les airbags à l'avant et à l'arrière. Oui. Mais vous savez que... Deux choses. La première, c'est que beaucoup de gens ont dit... Oui, c'est irréaliste, le personnage, nanana. Le gars qui a fait, l'équipe qui a fait le jeu a fait, oui, ben en fait, c'est une mannequin coréenne qui a été scannée pour le jeu, pour faire Eve. Donc, c'est des proportions humaines. Donc déjà, de 1, elle est humaine. Bon, pas tous les... Ok, une mythe mutante, je dis... Bon, pas tous les humains sont effectivement comme ça. Allez, je le tue avant lui parce que... Il est en train de vomir tous ces trucs là. Voilà. Celui-là a contaminé un non-vivant. Est-ce que les Naitiebas sont en train d'évoluer? Okay. Donc je disais que... oui, ensuite... ils ont répondu à la polémique en disant... Mais... Je pensais qu'on était censé accepter tout type de corps. Donc même ce type de corps, vous devriez l'accepter. Parce que c'est humain. Vous allez pas faire du body shaming. J'ai trouvé ça énorme, je fais... Ouais. Je mélange un peu les trucs, mais ouais, je vois ce qu'il veut dire. Une annonce de la part de l'équipage inférieur. Nous allons réduire la taille de la zone
sous quarantaine à minuit. Si vous tentez de quitter cette zone, sachez que vous serez purifié sans sommation. Il a été purifié sans sommation, lui, le monsieur, là. Au moins, il flotte dans la mer. Les puritains sont montés au créneau, c'est hilarant. Salut, mon copain. Viens me raser un moment, tu verras. Moi, je dis, elle est trop gentille avec les monstres, elle devrait faire comme Doomslayer. Mais elle les déchiquette quand même, hein. La contamination se propage ici aussi. De quoi ces monstres se nourrissent-ils? De mousse? Non, regarde de plus près. Je parie que tu as déjà vu cette peau rugueuse et écarlate quelque part. Oui, tu as raison, c'est un Natiba. Correspondance parfaite. Il se trame quelque chose par ici, c'est clair. Je ferais mieux de me manier à rejoindre l'équipage inférieur. Hein? Bonnie, mais qu'est-ce qui se passe? Elle est morte. Comment elle tape les portes et tout? Rien là-haut là. Pourquoi il m'a fait monter lui? Ah si! Si 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 si. J'ai oublié que j'avais le double saut. Ok. On a un mot de passe, c'est bien. Mais vas-y, attaque le même par terre là. Eh, il m'a chopé. Oh, je vais mourir. Ah non, je vais pas mourir. Bim. Heureusement, il a pas tentacule. Il a pas de tentacule, tu veux dire? Ou tu c'était fait exprès de dire tentacule comme ça? Est-ce que j'ai récupéré? Non, j'ai pas récupéré. C'est pas lui que tu devais attaquer! Ça aurait été bien d'attaquer le grand. C'est plus chier pour voir les portes maintenant, Eve. Et tape dedans. Je récupère de plus en plus de noyaux bêta et de... rapidement en fait. Du coup, je pense que j'ai dû en oublier pas mal. J'ai dû en zapper pas mal sur le chemin. Attendez, il y a un corps là, faut que je passe par là. Ah, je peux pas. Comment on peut passer de l'autre côté là? Par là? J'ai oublié les trucs alors. J'ai oublié les trucs. Éléments, caisse, ouais. Bah non. Bah non en fait. Si, il y a une caisse ici. Ah ben voilà. En subbrillance. Genre, t'es trop con alors je te dis comment faire. Merci le jeu. Heureusement, il n'a pas de tentacule. J'ai pas compris moi. J'ai toujours pas compris. Le sens de l'orientation et moi, ça fait 22, purée. Et après, tu veux que je joue à l'étal compagnie. Hein. Je crois qu'on va devoir laisser tomber. Et tu peux passer là, Eve, franchement. Tu fais un double saut, tu t'accroches et tu rampes, hein. Oh. Non, je suis pas assez fine. Attends, je peux descendre ou pas? Je crois pas qu'il fallait descendre. Et ça tu peux faire, mais passer par le... Il y a un petit robot là-bas. Oh. Mais il y a plein de trucs en fait partout là, c'est un espèce de labyrinthe. J'adore les labyrinthes. Écoute ça, nous ne sommes pas en sécurité. Ces enfoirés attendent que nous rejoignions l'équipage inférieur. Je sais bien qu'ils gardent leur distance. Tu ne veux pas guider ces monstres jusqu'à l'équipage inférieur, je présume. Ferme la porte dès que tu auras réussi à les attirer. Ensuite, file retrouver l'équipage inférieur. Il y a beaucoup de fois l'équipage inférieur. Ne m'attends pas.
Tu sais bien que je suis aussi rapide que l'éclair. Je vous rattraperai, ne t'inquiète pas. Il a pas fait. Je comprends toujours pas vos histoires de tentacules, hein. Ok, celui-là, tu peux pas le péter. Je comprends pas ta logique, Eve. Mais c'est pas grave. Je sais qu'il faut aller à gauche, hein. Mais je vais aller voir à droite avant. Ah, quoique, c'est peut-être le chemin à droite. C'est à oui. Gauche. T'es content? Je détour. Allez, soyons bons. Tomate quoi? Tomate cerise, tomate normale, tomate cuite, tomate crue? Ah! Ça va, c'est facile celui-là. Ça va, c'est dans l'ordre. C'est quand c'est pas dans l'ordre que c'est dur. Je mets vraiment pas la caméra en low angle. Moi ça va. J'étais concentré sur la caisse. C'était une erreur. Moi je t'ai pas concentré sur la caisse moi. C'était pas si mal. Ça fait toujours plaisir en 3D. Comme la plupart des viewers de ce live. Ok. Maintenant on peut suivre le chemin normal. Heureusement que le monstre n'a pas de tentacules, sinon Eve aurait fini. Ah! Bah si justement le monstre avait tentacules. Oh, oh purée, mais j'ai pris du temps. J'ai pris du temps pour piger votre dégueulasserie là. Alors. Mais non. Je fais sens inverse là. Bon allez, on va suivre le chemin. Mais je suis ressorti là, mais là où j'étais. Ah oui, je suis parti récupérer une cellule fusion. Bah oui. Oui. Ah bah. Nous sommes le 14 février. Je le sais parce que Sophia m'a offert un cadeau. Autrefois, on offrait un cadeau à celui ou celle qu'on aimait le 14 février. Ça s'appelait la Saint-Valentin. Aujourd'hui, nous sommes le 14 février. Tu me manques, Sophia. Le tissu de sa robe est vraiment très léger. Ouais, c'est pour... Mais encore, t'as pas vu quand il y avait le vent, là? Ça volait et tout, partout. Bonsoir, Shalina. Welcome. Alors, hop... Connais-tu ce jeu? Je ressens la chaleur de cet endroit. Pourtant, il y a l'air de faire froid. Il y a des preuves que des survivants ont vécu ici. Il y a des méchants en face là-bas. Des survivants, oui, mais ils sont plus trop survivants. Là. Conseil de Léona. Qu'y a-t-il là-dehors? Il fait sombre. Tout est mort. Il ne reste que ces monstres. Le refuge des survivants n'existe pas. Ce n'est qu'une fable que les adultes ont inventée pour redonner de l'espoir aux enfants, comme toi. Il y a mes coups de soleil. Chez les Zambés, nous sommes interprètes de la perversion depuis des générations. Ah, interprète. Okay. C'est bien ce que tu précises, interprète. Tout ce que je sais, c'est qu'il n'y a que nous actuellement. Eh, hey, c'est pas à cause de ça qu'il y aura quelque chose qui passera entre nous, hein. J'ai entendu un bruit. Moi j'entends un bruit, j'appuie sur le bouton attaque, hein. Waouh, il y a une guitare là-bas. Waouh, mais il y a plein de trucs en fait. La petite fissure sous mes pieds s'est changée en immense crevasse et a fini par m'engloutir. Tout était perdu. La matriarche avait disparu. Je savais que je ne la reverrais jamais. Un nounours, une guitare, un enfant, une petite soirée entre amis, de l'air, de l'eau et du passage sur le réseau. Je ne désire plus rien de tout ça. Tout a été englouti par les ténèbres. Quelle est ma raison de vivre?
Et quoi puis-je encore croire? Quoi? En quoi puis-je encore croire? Je ne saurais même pas lire. Faut que je boive de l'eau, j'ai soif. Bon, il me faut un... une pile ici, là, une cellule à fusion ici. Hey, Bigamesta! Hello, mais t'inquiète, ça fait quoi? Ça fait 51 minutes. Et pour une fois, ça a fonctionné relativement bien. Les groupes de survivants se sont installés ici. On voit bien que cet endroit a été abandonné il y a longtemps. Alors, pourquoi j'ai chaud? Examinons les alentours. Attention à ce que tu dis, tu sais, sur ce live, il y a des gens... voilà, particuliers. Tu dis, pourquoi j'ai chaud? Ils vont te répondre, ah ben ça! Ah ben ça! Je veux dire... Mais, oh, il m'a évité. Il m'a évité, dis donc. Rien d'autre ici, super. Ah, y a pas les sons. Ah, sorry. Si, y a eu le son, non? Je sais pas si y a le son. Non, moi y a eu le son. Attends. Je vais mettre le son que tu voulais lancer. J'ai pas mis le truc d'audio. Bonne nuit à toi, Supra. Merci d'être passé. Des bisous, des bisous. C'est les hormones, ma biche. Ouais, bien sûr. Mettons tout sur le dos des hormones. Ça a bon dos, les hormones. Oui, bah, c'est les hormones. Alors, B, K, B. L'espèce de D et le B encore. Voilà. Allez, pour vous, les hormones, là. Dégueulasse. Eh, hey, je peux jouer à la guitare? Ouais. Qu'est-ce que c'est? C'est pas comme ça que ça se joue, Eve. Ceci est une guitare. Un instrument utilisé autrefois pour essayer d'attirer des partenaires. Alors, moi je joue de la guitare. Et c'est pas... Ça fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Après, c'est peut-être moi. Non. Non, non. Ceci est le dernier présent qu'un dieu ne nous ait jamais offert. Ah, oh, Vacus. C'est du vin, frérot. C'est de l'alcool, c'est pas bien. Oh, elle est tellement... Elle n'est pas au courant des choses, de ces choses-là. Il est inutile de craindre la mort. Elle est que le début d'un voyage qui doit nous réunir avec le matriarche. Ridicule. Tu ne racontes que des conneries. On nous a laissés sur Terre pour crever. Il n'y a pas de voyage. À la fin de tout. C'est la fin de tout quand on crève, point final. Ouais, j'ai beaucoup de guitares en plus, c'est ça. Ah, ben un autre instrument, tiens. Qui attire les partenaires. Putain, elle a pété la chaise. Qui attire les partenaires aussi? Tu as dit que c'était un piano, non? Oui. La musique était une source de réconfort incroyable pour les gens ici. Il est plus accordé le piano, malheureusement. Bah c'est mignon, Oh non! Ils sont là-haut! Les gens qui étaient là avant, sont là-haut. C'est triste! Où est passée la grâce de la matriarche des foutaises? Mensonge, mensonge! Ils attendaient la matriarche, ils attendaient le... Quelqu'un a dormi ici. Oui? Je doute qu'on y fasse de beaux rêves. C'est quand même pas mal par rapport à tout le reste. Bon, on va malheureusement voir les cadavres des gens qui habitaient là. C'est là-haut. D'abord, allez chercher. Ils sont beaucoup quand même. J'ai l'impression qu'il y avait même des enfants. Un nounours sans propriétaire. C'est vieux, mais ça sent bon. What? Elle dit des choses étranges. Oui, elle dit des choses étranges. C'est vieux, mais ça sent bon. Quoi, t'aimes bien les vieux? Ouais, j'aime bien sentir les vieux.
pas ce qu'elle a dit, mais bon, j'interprète. Comme même Blue Zambé. Yamete. Y'a le son, Yamete, y'a le son, Yamete. Je savais que de toute façon, en jouant à un jeu, il y aurait des Kokinu et des Yamete Kudasai qui allaient virevolter partout. Un peu de respect, Eve, quand même. Tu peux simplement ouvrir. Avec tes mains. Ah, c'est quoi? Attends, c'est un élément? Ouais, on peut faire... Ah, j'avais pas vu. Cela fait déjà 7 ans que je me cache ici et que j'échappe à ces monstres. Cet endroit n'est plus sûr. Mais nous n'allons nulle part où aller. Nous n'avons nulle part où aller. Nous allons tous finir par mourir ici. D'après la rumeur, des survivants se seraient réfugiés dans une ville si seulement je savais où elle était. Ben, la ville, elle est pas très loin. Hein. C'est la ville d'où on sort, en fait, là. Zion. C'est... Gérontophile, la petite Eve. Ils attendent encore le salut que la matriarche leur a promis. Bon sang. Ils sont morts. Ils attendent. Qui a allumé les bougies, s'il vous plaît ? Les souvenirs laissés ici à la matriarche. C'est là qu'ils devraient être. Qui a allumé les bougies ? Je vais t'aider. Moi aussi, moi aussi. Merci, tous les deux. Attends. Quelle heure il est là ? Qu'est-ce que j'ai eu là? J'ai une notif? J'ai eu quoi là? J'ai pas vu. J'ai eu un trophée? Non. Non, j'ai pas eu de trophée. Ça fait un bruit, ça fait tir. Merci beaucoup pour le... Ah non, j'ai un follow. J'ai toujours pas... Merci, merci Kev pour le follow. Je me dis bien, le seul bruit, j'entends. J'ai pas encore mis les alertes. Terrible. Je le ferai à mon... Ah, la cellule, c'est bien. Ah ben voilà. Les fameux corps... D'accord, je récupère... Oh, putain. Je récupère juste des points d'expérience sur eux. Elle les jette par terre. Nous avons tellement souffert pour survivre. Quand nos proches sont morts, nous avons continué de lutter. Mais la fin est proche. Nous sommes à bout de force. Nous avons perdu la volonté de nous battre. Il est temps de mettre un terme à cette souffrance, ce chagrin, ce désespoir. Ouais, ouais, ouais. Là-bas, il y a quelque chose. Non, double saut. Fais-moi un double saut. Voilà, super. C'est un jeu d'exploration, on fait qu'explorer. Il y a des trucs là-bas ? Non. Allez, on va aller buter les ennemis. Moi, je vais combattre des boss, moi. Ce sont les boss. Ici c'est le chemin. Là-bas il y a quand même des méchants donc. Faut se les faire non? Ah non, on a déjà fait ce chemin là. Pas besoin. On l'a déjà fait, on l'a déjà fait, on l'a déjà fait. Oh putain en combat. C'est bon, je peux l'utiliser? Voilà. C'est bien. Dans le dos. Allez dans le cul! C'est comme une matrioshka.
Une matrice. Quoi? De quoi tu parles? Une matrioshka? Viens, on a une porte de sortie. Merde, j'ai raté. Oh, j'ai raté l'attaque par surprise. J'aime pas quand ça les touche pas alors que je te tape dessus, ça te touche pas. Pourquoi si je tape dessus ça touche pas? Ah putain, j'ai tapé dans le vide. Il est dégueulasse en plus de pas mourir vite. Ah, mais arrête de cracher des trucs comme ça. Oh, horrible. Les choses ne vont pas en s'arrangeant. Bah non, ils sont partout. Ah, on va se faire le Night Siba Alpha là. Je le sens. Oh putain, il y avait une caisse là-bas. Ouais, si je regarde pas où je vais. Voilà. J'ai un problème, j'aime bien tout ramasser dans le jeu au final. Du coup, je regarde chaque petit endroit, chaque petit parcelle. Et ça peut vite devenir chiant. Les hurlements ont cessé, tout le monde est mort, l'équipage inférieur a été décimé. D'accord, bah ils sont tous morts. Au moins, ah, voilà! Je tombe sur des bonus, ça c'est bien! J'ai eu là. Noyau bêta. Bien. Je disais justement que j'en avais trouvé plein, j'en ai trouvé 3 dans cet épisode là. Encore un, il faut éliminer. Prend vraiment son temps pour mourir lui hein. En plus d'exploser là. Allez. Je pense qu'on va pouvoir se faire un boss là. Wouh, la glissade. Ah, pourquoi je passe en aigu? Voilà. Bon hey, machin. Un générateur fonctionne encore. Super, nous avons été abandonnés, nous allons tout disparaître, tout est perdu. Ça ne sert à rien de lutter. Vois la réalité en face, le seul moyen d'échapper à la peur et du désespoir, c'est la mort. La mort. Autre chose? Ok, on va s'occuper de ça alors. Ah, c'est comme ça que fonctionne le monde charge. J'aime pas trop ça. Pourquoi? J'aime pas trop beaucoup ça. Tu n'as jamais vu de film? Un scénario classique. Vous avez des films, vous, du coup? Mais pourtant, il était pas plus caché que ça. Hein. Ça m'a donné plein d'argent. J'aime l'argent. J'aime l'argent. Coucou, Caro. You are ready, everybody? Attends, vous êtes sur le Discord? Si ça se trouve, vous êtes sur le Discord et moi, je vous entends pas. Attends, je vais mettre aussi un SO.
Voilà. Bon, ça affiche pas, mais... Ah, dégueulasse. C'est horrible, on dirait. Un trou de balle, là. Il est dedans. Sérieux, il me touche, là? Et je suis mort! Je vais utiliser une pompe, c'est pas possible ça. Coucou Enola! Oh non! Mon pied a encore touché le truc!